Je ne suis pas France Insoumise. Je n'ai pas jamais eu de carte de parti, jamais été euh, encarté. Euh, Aujourd'hui, c'est un collectif qui s'appelle Décidons Paris. C'est une démarche citoyenne. Les habitants euh, sont euh, invités à signer l'appel, à rejoindre l'appel, à s'inscrire pour pouvoir être candidat sur les listes et aussi, euh, évidemment, le plus important, réfléchir au programme, participer aux au groupes thématiques qui vont vraiment construire ensemble le, le programme qu'on va porter. Vous vous euh, considérez aujourd'hui comme quelqu'un de la gauche radicale, d'extrême-gauche Comment vous diriez la... Non, je pense que est... je suis de gauche. On est la vraie gauche. Oui. Moi, je pense que les, les gens, euh, le PS, par exemple, aujourd'hui, n'est pas la gauche. Je on vous pose la question gauche. parce que par ouais. le passé, vous avez soutenu Ségolène Royal, euh, Bertrand Delanoé oui. François Hollande. C'est oui. eux qui ont changé ou c'est vous Alors c'est déjà eux qui ont beaucoup changé, vraiment beaucoup, mais très vite. Je veux dire, euh, François Hollande a été un, un président libéral, néolibéral, qui a, qui a vendu au privé, qui a fait les, les pires réformes euh, vers le, le privé et puis euh, pour, pour les plus riches et après, après Macron euh, prend la relève, mais euh, euh, juste euh, euh, moi j'ai été marqué par 2002 et puis le, le 21 le, avril voilà euh, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et c'est vrai qu'après tout ça j'ai réfléchi est-ce que je euh, je soutiens un candidat qui puisse ma, ma, ma sensibilité, où je, je soutiens le candidat qui va peut-être gagner et qui va battre la droite. Et ça veut dire que, que vous avez hésité, Vicage Dorasso par exemple, à soutenir Anne Hidalgo à Paris Vous avez eu des, des appels du pied de sa part Ah non, non, j'ai eu aucun, non. aucun dilemme avec ça. Non, 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 je suis à gauche. Euh, Paris en commun, est Elle très... est à gauche aussi Non, 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 elle n'est pas à gauche. Pas non, à gauche. Non, le PS n'est pas à gauche. Le PS est, est très proche de, de Macron. Euh, Aujourd'hui, euh, Jean-Louis Missica, qui est le, euh, la, la personne qui... Euh, soutien, le bras droit d'Anne ouais, euh, Hidalgo. Ouais. Euh, Paris en commun. Paris en est un soutien officiel de. Emmanuel Macron aux élections aux dernières élections donc euh, non je ne suis pas le PS le mmh. PS n'est pas la mais gauche. Anne Hidalgo ne sera pas soutenu par les marcheurs quand même d'ailleurs deux candidats. Oui mais Paris à en commun c'est Missika et Missika c'est euh, un soutien de Macron Paris en commun faut savoir que c'est que de la délégation de services publics mmh. c'est que on mélange le public et le privé et en fait on donne au, au privé sans arrêt et on donne aux plus riches et on oublie que Paris n'est pas une start-up Paris n'est pas euh, une entreprise on est, nous, nous les Parisiens ne mmh. sommes pas des clients nous sommes des Parisiens des habitants et le service public doit être pour nous servir et pas pour servir les plus riches. Vous les entendez déjà les critiques, Vicage Dorasso, sur le thème, cet ex-footballeur qui a brassé des millions d'euros et qui se lance en politique Et pourquoi pas La politique, elle appartient à des gens qui ont fait l'ENA. Euh, la politique elle appartient à tout le monde, je pense qu'on est tous euh, capables, on a tous une expertise, on a tous une expérience de vie. Euh, moi je, fais, euh, je suis engagé euh, depuis très longtemps euh, dans plein d'associations euh, sur le terrain, euh, j'ai toujours euh, je me suis toujours intéressé à tout et surtout euh, euh, je paye mes impôts depuis toujours. Je participe à la vie collective, je veux m'engager avec euh, ma notoriété, avec euh, mon parcours, et je n'ai pas oublié d'où je venais, c'est ça le plus important. Toute ma vie, j'ai toujours eu en tête euh, ce qui s'est passé en bas de mon immeuble, avec les discriminations, les injustices sociales, oui, mmh. et qui continue aujourd'hui. Euh, mon engagement, il a débuté... Euh, avec euh, le sauvetage d'un petit terrain de foot dans le square Burke, euh, aux abesses, où on est. Dans le 18e hein, hein, arrondissement de Paris, où le, les riverains voulaient enlever un petit terrain de foot et les gamins n'allaient plus rien avoir euh, de gratuit, d'accessible. Et nous, on s'est battus. Il y avait 1000 personnes qui avaient signé leur pétition, nous, 11 000. 11 000 qui défendaient un combat politique euh, sur le sport, la jeunesse et l'espace public. Qu'est-ce qu'on fait de l'espace public Et on a gagné. On a gagné pour des gamins. Parce que c'était des gamins qui allaient été exclus de nouveau, oubliés, mmh. euh, mis à l'écart et renvoyés très loin. Vous serez tête de liste dans le 18e arrondissement Je me propose à la tête de liste euh, dans le 18e arrondissement. Il y aura un vote, comment ça va se Bien passer Bien sûr, un vote des ouais. militants. Le samedi, il y a donc eu euh, la proposition de Daniel et moi euh, pour, Daniel euh, Daniel et moi pour euh, euh, le binôme tête de liste. Euh, qui représentera le mouvement Décidons Paris dans tout Paris. Et puis là, je me propose à la tête de liste dans le 18e arrondissement. Et de nouveau, j'encourage les gens vraiment à s'inscrire pour, pour candidater. Et là, il y aura aussi un vote de nouveau, je crois que c'est mi-décembre. Ouais. Euh, la France Insoumise demande l'annulation des Jeux Olympiques de Paris mmh. en 2024. Ce sera votre position Vous ouais, allez faire sûr. campagne sur les marchés en disant on annule tout, il est encore temps alors, je ne sais pas s'il est encore temps. En tout cas, nous on milite. Moi, je suis contre le Paris 2024. De nouveau, ce sera. Mais vous ne un... savez pas s'il est encore temps. Bah, je veux dire, c'est engagé, c'est parti. Moi, oui. je pense que euh, c'est comme d'autres sujets. Par exemple, les cantines dans le 18e arrondissement, c'est un contrat signé avec SOGRS. On peut peut-être le casser. Et Paris 2024, on va voir. En tout cas, vous pensez qu'on qu qu peut encore casser est, le contrat ce qui est sûr et, et ça, demander ouais, bien au, au CEO de bah, trouver une autre ville Alors, peut-être. Peut ouais, on va on va réfléchir à tout ça. Mais tout ce programme-là, nous, on on, on, on veut. On ne veut pas de Paris 2024. Mais après, il va falloir discuter, valider avec le, les, les gens euh, euh, qui vont rejoindre l'appel. Mais juste Paris 2024, c'est sûr et certain que ce sera une catastrophe écologique et sociale. Il n'y a rien de fait pour les, pour les Parisiens et avec les Parisiens. Qui a été concerté Est-ce que les Parisiens. Je suis sûr qu'il y a même des Parisiens qui ne savent même pas que Paris 2024 va, arriver, va arriver parce que ça ne les intéresse pas. Paris 2024, c'est évidemment nettoyer la ville, euh, construire. Pourquoi ils n'ont pas construit avant du logement social Pourquoi ils n'ont pas fait des choses avant pour les habitants Ils attendent Paris 2024. En fait on est en train de construire un paris euh, pour le, le, la carte postale et pour les plus riches d'ailleurs euh, beaucoup de gens fuient paris quittent paris parce que le logement est beaucoup trop cher.